Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Ready or Not. Et cette fois-ci, je vais tester le solo, donc je serai en compagnie de 4 bots qui j'espère vont bien suivre mes ordres. Mais avant ça, je dois vous dire une chose importante. Les développeurs ne peuvent plus fournir de clés alpha car Steam leur en avait fourni qu'un certain nombre. Et je sais que beaucoup d'entre vous voulaient précommander le jeu avec l'édition supporter, mais écoutez bien ce qui va suivre. Le jeu devrait sortir en accès anticipé avant la fin de l'année. Oui, oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, il est peut-être déjà sorti à l'heure où je sors cette vidéo. Les développeurs ont fait le choix de sortir Ready or Not en avance car il n'était plus possible de le précommander sur leur site, et qui dit plus de précommande, dit aussi moins de sous qui rentrent. Or, en tant que développeurs indépendants, ils ont besoin de ces sous pour continuer le développement du jeu, donc patientez un petit peu, vous pourrez très prochainement y jouer, mais surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'une alpha et que vous allez rencontrer des bugs. Maintenant revenons au mode solo que je vais vous présenter, mais juste avant, je vais passer par la case options pour vous montrer comment j'ai paramétré mes touches de commande des IA. Je suis donc allé dans l'onglet Teamwork pour configurer mes touches de commande sur le pavé numérique, et ensuite j'ai été effacer les touches qui étaient en conflit avec les touches de commande dans l'onglet équipement. Il suffit de cliquer sur clear pour les effacer. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour utiliser correctement le système de commande de Ready or Not, il y en a peut-être d'autres. Mais maintenant je vais vous laisser avec ma première opération en solo, en espérant qu'elle vous plaise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Bon visionnage. Salut les gars, vous êtes prêts à partir au combat avec moi? Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai une équipe bleue et une équipe rouge. En bas à droite, il y a un ordre automatique qui va être modifié en fonction de ce que je vais regarder. Vous allez voir. Donc là, si j'appuie sur W, ils me suivent. D'accord. Alors j'ai changé la touche, hein. C'est pas W de base, mais j'ai changé. Si je regarde la porte, je vais avoir un autre ordre. D'accord. Donc là, j'appuie sur W. Ils vont se mettre en position pour sécuriser la porte et la zone. D'accord. Si je change avec la molette... Je peux donner un ordre à l'équipe bleue ou à l'équipe rouge. Vous avez vu que l'ordre a été modifié automatiquement. Donc là, on avait stake up et là, on a check door. Donc là, je leur demande de vérifier si la porte est ouverte. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier dans les options. D'accord. C'est des commandes par défaut. Il y a les commandes par défaut quand vous regardez, je sais pas, le ciel par exemple. Donc là, c'est fall in. Donc je leur demande de me suivre. D'accord. De se regrouper. Là, on a l'ordre par défaut au niveau de la porte. Donc, vous sécurisez en gros la porte. L'ordre par défaut, si la porte est ouverte. Merde. Putain, mais je suis en train de parler, les gars. Vous êtes sérieux? Bah, j'espère que c'est un civil. Bon, il s'est rien passé. Je continue mon explication. et l'ordre par défaut, si la porte est ouverte. L'ordre par défaut, si la porte est déverrouillée. Et l'ordre par défaut, si la porte est verrouillée, d'accord? Donc, par exemple, une porte qui est verrouillée, tu peux faire un picklock. Poser un C2 ou mettre un coup de pied ou breacher la porte avec le shotgun, d'accord. Donc là, vous avez vu, l'ordre il se modifie automatiquement. Donc là, on a checké la porte comme quoi elle était ouverte. Donc là, maintenant j'ai l'ordre open and clear. Une dernière chose, il y a un autre système de commande qui est super important. Vous pouvez directement choisir ce que vous voulez faire à chaque porte, à chaque situation en fait. Donc là, je vais leur demander. Donc si je veux, je fais stake up avec le pavé numérique comme on l'a réglé au tout début. Vous pouvez également ouvrir et choisir si vous lancez une flash, du gaz ou autre à l'intérieur. Si vous voulez breacher la porte, tout ça, tout ça, tout ça. Ou directement ouvrir la porte. Étant donné qu'on a vu qu'il y avait du monde à l'intérieur, je propose qu'on lâche du gaz parce que je ne sais pas s'il y avait du monde ennemi dans cette zone. Alors j'ai pris cette map aussi parce que je la connaissais un petit peu et je voulais pas trop me retrouver dans une situation trop compliquée. Faut savoir que je fais juste un test là. C'est la troisième fois que je lance, j'ai lancé la partie. J'ai testé le mode solo, pardon. Donc on voit qu'il y a du monde. Normalement, ils vont agir en conséquence. Donc là, s'ils rencontrent un ennemi armé, normalement, ils devraient intervenir. Je vais essayer de pas ouvrir le feu hein, de mon côté. Hein. D'accord. Donc normalement, ils prennent une position. C'est ok. Donc je vais essayer de pas ouvrir le feu. On va essayer de les laisser faire le taf. En espérant que ça soit efficace. Tout à l'heure, on a vu un mec jaune, il me semble. Hein. Pendant que j'étais dans les options là, un mec avec un haut jaune, il s'est barré en courant. Donc je pense que lui devait être armé lui. Vous avez vu, hein, dès que je me suis rapproché d'eux, ils ont progressé. Ça c'est fort quand même. Donc je peux très bien leur demander hein, de mettre les zip aux civils, aux ennemis, tout ça. Je peux très bien leur demander de le faire. Ok. Donc là ce que je vais demander, hop. Je vais demander qu'on regarde sous la porte, voir si... Il y a des ennemis de l'autre côté. Et je vais demander au bleu
Alors, je risque de perdre un peu d'FPS avec la caméra des bleus là. Mais je vais demander aux bleus de sécuriser cette zone. Et même cette porte, d'accord? On va faire comme ça. Et du coup, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, le rouge, merde. Fallait que je reste à côté. Je sais pas ce qu'il a dit. On va la refaire. Il sécure les 6, c'est bien ça. On peut voir les bleus en haut à droite là. Oh putain. Ils ont traité un mec, les bleus. Donc là, il a dit que c'était clear. Ils vont rentrer et nettoyer les rouges. Les bleus ont eu du contact, hein. Ok. Je vais laisser les bleus ici pour l'instant. Avec les rouges, je vais leur demander. Hop, 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 venez, viens ici, les rouges. On va travailler avec les rouges pour l'instant. Viens ici, viens ici. Ils sécurisent où, là? Ils vont jusqu'à là-bas? Ah, calmez-vous, les gars. Elle est pas si loin, là. Non, non, non. Elle est pas si loin. Reviens, reviens. Ok. Je vais fermer la porte. Merde, du coup, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ah, je vais en profiter. Je vais demander qu'il l'arrête. Il y a encore une porte qui s'est ouverte là. Bon, je vais essayer de pas ouvrir le feu, mais si je suis abusé, je le fais. Hein. Ok. Revenez ici, les rouges là. Open and clear. On va sécuriser cette porte d'abord. Bon, les bleus sont toujours en position. Ok, c'est les toilettes. On va faire pareil ici. Stack up. Donc là, je vais utiliser les ordres automatiques, d'accord? Franchement, c'est bien foutu pour la réactivité. Là, ça c'est bien réussi, hein, le système de... C'est voilà, c'est similaire à SWAT 4, hein, on est d'accord. Donc là, vous avez vu, la porte est verrouillée, du coup, il a sorti le lockpick pour déverrouiller. Très ressemblé à SWAT 4 et c'est ce qui nous plaît. Okay, normalement, si c'est clear. Ah bah tiens, il y a du monde. Donc là, je vais lui demander aussi, hop, de le zipper. Ok, comme là c'est clear, il lâche le stick et occupe-toi de lui, s'il te plaît. Bon, il veut pas. Occupez-vous là. J'ai du bruit sur la gauche là. Maintenant, menote-le s'il te plaît. On teste, on fait des tests les amis. T'as plus de zip, c'est ça? Comment ça marche? Bon, je m'occupe de lui. C'est peut-être ça, hein, je sais pas. Hein. Mais je crois pas qu'il y ait un nombre de zip. Non, non, ça m'étonnerait. Il m'écoute pas, ça va pas le faire. Bon, les bleus sont toujours en place là-bas. Hein. Ok. Suivez-moi les rouges. Allez. Use the mirror. Check the door. Donc là, il regarde s'il y a un piège également, s'il y a du monde à l'intérieur. Il y a 10 suspects là, c'est ça, non? Je crois qu'il y a 10 suspects. Ok, alors attends, s'il y a suspect, on rentre, on lâche une flash. Je suis même pas sûr d'avoir une flash. Si, si, je crois que j'en ai une. On va voir. Allez, ouvre la porte! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Ok, lui prend pas la flash. Et l'autre il devrait ouvrir. Ok. Allez, go, go! Bon, bah, il y avait personne à l'intérieur. Là, par contre, j'ai du monde. Hop, je vais lui demander rapidement de nettoyer cette zone. Peut-être du monde dans la cuisine aussi également au fond. Non, tu check cette porte là. Ça a ouvert, ça a ouvert. C'est lui qui a ouvert. Je vais voir comment réagissent en fait quand ils se font tirer dessus. Merde. Ils ont tué un civil. Je m'occupe de lui. Attends, je me mets derrière. Hop, c'est bon.
Est-ce que les bleus, on les laisse là pour l'instant? On va intervenir après avec les bleus. Ok. Il y a un piège ici, là. Donc là, normalement, il doit les amorcer. Je lui fais confiance. Hein. Ah, yes. Et lui, il reste toujours ici. Ok, c'est bon, ça. Un stack up. Check the door. Copy that. Ok. Attends, attends, attends. Je vais lui demander. Non, non. Breach shotgun. Ah merde, trop tard. Je voulais qu'il le... Il ouvre autrement, mais en même temps. C'est la pièce où est-ce qu'on était. Donc là, il y a la cuisine. Est-ce que je peux leur dire de rentrer dans la cuisine? Étant donné que c'est ouvert, est-ce que je peux leur dire de nettoyer la zone? Je sais pas. Non? Bon, suivez-moi. On va le faire. Ok. Donc là, tac, stack up, miroir. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, Lee. Hein. Moi, j'aime bien que lui regarde les 6. Bon, là, on est que 2, mais. Mais j'aime bien en fait qu'ils soient pas tous les deux bêtement devant la porte, quoi. Ok, suspect inside. Donc là, open and flash. On teste, d'accord? Allez, on rentre, on rentre, on rentre. Il est où le suspect? Ok, ok. Ok, bougez pas. Normalement, il y a les bleus ici. Ok, ça c'est bon. Sécurise l'arme. Les bleus, vous. Pendant que vous êtes là, on va faire la même chose. Vous êtes là depuis tout à l'heure, mais vous avez bien traité le gars là. On va laisser les rouges dans la pièce là-bas. Là. Ok, c'est bon, ils ont chopé un gars. Je vais leur demander de le zipper. Ok, c'est bon, il a lâché le petit stick. Bon, c'est pas mal pour l'instant. Et les rouges, je vais leur demander de me suivre. Là, le rouge là. Occupe-toi d'eux là. Par contre, King, il est resté là-bas. King, je vais lui demander de venir avec moi quand même. Reste pas bloqué là-bas. Ok, ça c'est bon. Bon, cette pièce a l'air d'être sécurisée. Alors, attention. Je crois qu'il y avait un mec au fond. Il y a un gars là, il y a un gars. Ne pas se rendre. Est-ce que je peux faire quelque chose sur lui? Cover. Ah oui, du coup, quand je fais cover, ok. Pas mal ça. Ok, ils sont partis le chercher. C'est cool. Ah, franchement, ça fonctionne plutôt bien. Là, la map est petite, donc... Ça va, il n'y a pas trop d'ouverture. On verra sur d'autres maps. Quand il y aura beaucoup plus d'ouverture. Je vais enlever la caméra du bleu. Ils vont tous venir avec moi, de toute façon. Hop. Allez, vous me suivez. Pardon, pardon, l'ami. Hop, vous allez regarder derrière cette porte. Et bah les autres, stack up. Non, pas stack up. Bon, c'est bon, ils se mettent en position. Après, ça vaut pas la coop, mais ça marche plutôt bien quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, si j'écoute pas ce qu'il me dit aussi. Vas-y, open and gaz. On prenne, on n'a pas pris les masques à gaz pour rien quand même. Mais bon, c'est en extérieur.
Allez, go, go, go. Allons-y, les gars. Police, hands up. Bon, il n'y avait personne. Alors, attends. Là, ça va être un peu compliqué. Merde, 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 merde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, les gars. Vous faites tirer dessus? Ah, c'est de l'autre côté. Vite, vite, venez, venez, venez. Je vais pas ouvrir le feu. Mais bon, les gars, vous l'avez traité ou pas? Ah ouais. En fait, il a tiré. Il m'a entendu, le gars, il a tiré à travers la porte. Putain. Move and clear. Allez-y, les gars. Je veux pas ouvrir le feu de la partie. Bon, je m'occupe de lui. Je sécurise son arme. Il nous reste encore des civils et des ennemis. Hein. Ok. Donc il y a des portes qu'on n'a pas vérifiées. Il ne doit plus rester grand monde. Hein. Check the door. Il y a des pièces qu'on n'a pas faites à l'intérieur. Je sais plus. Allez, on teste. Open and clear. Faut se méfier hein, parce que l'IA se déplace. Ah ouais, donc il y a bien un civil ici. Ah, il y a une pièce ici qu'on n'a pas faite, d'accord. Lui, je sais pas où il était tout à l'heure. Mais il était pas là. Cette pièce-là, là, elle donne sur le bar, d'accord? Ah, d'après lui, on a terminé. On va quand même checker cette pièce. Là, on peut voter pour la fin de game. On va quand même checker cette pièce. Bon bah les amis, on a terminé. On va aller voir le score. On a terminé cette mission qui s'est plutôt bien passée. On en fera sur d'autres zones, d'autres missions beaucoup plus ouvertes. Mais en tout cas, pour un premier jet, on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait trois petits tests avant. Je trouve que bah, l'IA réagit plutôt bien. Donc on verra quand on sera sur une zone ouverte, comment on réagit, tout ça quoi. Mais j'aime bien le système de commande. On retrouve du SWAT 4, donc ça, ça fait plaisir. Allez, on va regarder la fin de game. Les stats. Est-ce qu'on a fait un beau score? Monsieur, est-ce qu'on a fait un beau score? Allez, suivez-moi. A plus! Non, c'est ce qu'on avait fait avec Wolf. On a mis un peu plus de temps du coup. En coop, on avait fait 13 minutes, on a mis 17 minutes. Oh, on est parti chercher le A+. On n'a pas encore le petit S, mais en tout cas, c'était bien sympa et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos en solo, en coopération, c'est sûr, il y en aura d'autres. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Si, allez, j'aime.